Hello tout le monde, je vous retrouve pour cette première vidéo de l'année 2016. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, de joie, de tout ce que vous voulez, plein de scrap. Et profitez à fond de votre famille, vos amis, de tout. Et surtout qu'elle soit meilleure que l'année précédente. En tout cas, on va tout faire pour que chaque jour soit une belle journée et qu'il n'y ait que du bonheur et pas se prendre la tête, arrêter de stresser pour mon cas, arrêter de stresser pour un rien. Ça, c'est ma résolution première. Arrêter de m'en faire pour des petites broutilles qui me pourrissent la vie. Et ça, j'espère que je vais m'y tenir fortement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour cette année? J'espère faire de belles rencontres, rencontrer les scropines, passer du virtuel au réel, j'espère fortement. Ensuite, pour nous cette année, en super projet, on a ça y est, c'est réservé. Donc au mois d'avril, on part en Irlande à Belfast. Et du coup, j'ai trop, 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 trop hâte. Ça fait 2 ans qu'on essaye de se le faire. Et là, ça y est, on décompte. Et du coup, on part 3 jours. Du coup, je vous emmènerai avec moi durant ces 3 jours. Donc dites-moi si ça vous plairait. Avant tout, je fais mes vidéos par plaisir, mais aussi pour vous faire plaisir. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et quoi dire d'autre? Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc on verra en fonction des jours, des mois. Donc je reviens aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier. Oui, c'est ça, puisque hier j'ai travaillé. Hier on a récupéré les enfants qui étaient partis chez papy mamie. Du coup hier on a été à Barentin puisqu'on était pas trop loin. Et du coup j'ai encore craqué. On a été à Action et à Cultura. Action, j'ai été raisonnable, puisque comme disait Adeline, il n'y a pas grand-chose dans le Action Barentin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc pour commencer, j'ai déjà vu dans une vidéo d'une scrappeuse qui avait pris ses enveloppes, donc c'est des enveloppes bulles, et il y en a 4 et 99 centimes, du coup j'ai bien aimé pour les motifs, et puis il y a les petites étiquettes. Donc il y a format A4 et A5. Donc c'est ça, il y en a 2 de chaque. Ça pour faire soit un échange ou envoyer des petits cadeaux. J'ai trouvé ça pas mal. Donc j'ai pris ce motif-là et celui-là. Il me semble qu'il y avait 4 motifs différents. Donc c'est juste bien. Ensuite, je me suis pris un cahier de coloriage pour adultes. Et j'en avais pris un pour mon fils. Du coup, j'avais bien aimé. C'était les motifs. Je me suis laissée tenter. C'était moins d'1 euro, il me semble. Ou 1 euro et quelques. Ensuite, j'ai repris des cartes avec les enveloppes.
donc toute blanche. Ensuite j'ai pris donc j'ai repris des petites boîtes comme ça, donc c'est pas du tout sur le thème de Noël. Et du coup comme celles de Noël m'avaient bien plu, du coup j'ai pris ceux-là. C'est plutôt pas mal pour anniversaire ou autre. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Et j'ai pris des lingettes pour bébé. Donc, qui étaient à 99 centimes et il y en a 90. Donc ça, je m'en sers beaucoup pour nettoyer mes tampons. Normalement, c'est mon tapis de découpe. J'ai pas encore rangé. Donc je ferai ça peut-être tout à l'heure. Donc voici pour mes achats de chez Action. Ensuite, on a été à Cultura. Donc si les filles, si vous avez un Cultura par chez vous, ils font moins 50% sur les articles de Noël. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Je sais que l'année dernière quand on y avait été, il y avait plus de tampons, les tampons mousse et acrylique. Et du coup alors j'ai pas le ticket là. Alors j'ai pris, pour commencer, ces super papiers. Donc la marque Cultura. Donc ils étaient à 5,99€, donc moins 50%. Et j'ai pris celui-ci. Donc nature vintage, et celui-là c'est géométrique chic. Donc les papiers sont trop beaux. Ensuite j'ai pris ces petits embellissements, les die cuts de chez Toga, donc la série Noël. Donc je sais plus le prix, mais c'est revenu à pas grand chose. Ensuite là où j'étais contente, c'est au niveau des tampons. Donc c'est ces tampons là avec les petits encreurs. Et j'ai pris celui-ci. J'étais trop contente. Et du coup j'ai aussi pris celui-ci. C'était le dernier. Voilà. Ensuite j'ai pris j'en ai pris un ou deux. Ah non, j'en ai pris qu'un. C'est ces petites ces petits embellissements trop mignons, les petits hiboux. Donc 1€. Ensuite j'ai pris ces embellissements en bois, donc 1€. Ensuite j'ai pris ces die cuts. Donc il est à la base à 2,49€. Ensuite j'ai pris ce masking tape. En fait
C'est avec des phrases comme ça. Ensuite, j'ai pris de la ficelle. Donc pareil, 1 euro. Ensuite, j'ai pris de l'eau comme ça, donc à 1,50 €. Donc, c'est résine pain d'épices. Il y a 15 pièces. Et c'est trop mignon. Du coup, j'en ai pris deux. Ensuite, pour finir, j'ai pris ces formes de découpe, donc en forme de cerf. Dans la box d'Adeline, j'avais vraiment aimé ces die cuts. Et du coup, comme là, ils étaient à moins 50%, eh bien, j'en ai pris deux. Il y avait d'autres formes, il y avait des plumes, des cœurs, des étoiles, mais bon, les plumes, je peux faire ça avec ma machine, que ça, j'ai pas le gabarit pour ça. Et ensuite, pour terminer, je vais vous montrer donc des cartes que j'ai reçues pour Noël d'Escropine. Donc j'avais mis en photo sur ma page, mais je n'avais pas montré en vidéo. Donc la première, c'est de Lilou. Donc elle est magnifique. Ensuite, une carte de Marine. Ok, derrière il y a un petit tampon. Et une carte d'Audrey que j'ai reçue il y a pas longtemps. Elle est trop trop belle. Donc voilà pour mes petits achats. Donc là, faut vraiment que je m'arrête. Donc là, stop. Plus de scrap. Je suis en train d'accumuler fortement. Donc voilà, mais je pense que comme nous toutes, on est très 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 faible. Et voilà, faut. Ça aussi, ça serait une bonne résolution. Acheter moins de scrap. Et d'ailleurs, j'ai pas encore reçu mon colis. Enfin, le colis que mon chéri m'a commandé. Enfin, il m'a commandé du scrap aux États-Unis. Et apparemment, il est toujours coincé en douane. Donc voilà, j'attends toujours, j'espère que ça va se débloquer. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!